Bon les amis, donc voilà, on va aller dîner dans ce magnifique bateau, voilà, sur le vieux port de Bizerte. Je vous fais voir un peu où je suis, comme d'hab, hein. De toute façon, ça change pas des bonnes vieilles habitudes. Donc voilà, on est à Bizerte là, les amis, on est dans ma ville. Donc je vais vous faire voir un peu le bateau et on va y manger dedans. Et derrière, il y a le vieux port de Bizerte, le vieux port de Bizerte pour pêcher avec des petites barques et tout et tout et tout. Donc ça, le bateau, les amis, c'est un bateau qui a coûté 2 milliards de dinars à l'époque, il y a peut-être 20 ans en arrière, un budget de malade. Et les repas à très bon prix. Voilà, c'est des repas à très bon prix. Et je pense que si vous passez en Tunisie, je pense que ça vaut le coup d'y faire le détour. Voilà. Donc, on va faire un petit tour intérieur et je vais vous faire voir ça discrètement. Voilà, on est à l'intérieur, les amis. Je vais vous faire voir un peu. Voilà, magnifique restaurant. Voilà, on filme toujours avec autorisation, bien sûr. Toujours avec autorisation, hein. Et on va monter en haut, je vais vous faire voir un peu. C'est vraiment. Alors, les gars, la street. Voilà, si vous avez une femme, vous allez vous marier. Vous allez vous fiancer ou quoi, ramenez votre femme ici, elle va kiffer et vous allez vous régaler. Voilà. Et vous êtes sûr que. On s'est compris. Allez, on va monter en haut, les amis. Donc voilà, les amis. Donc là, on vient d'arriver en haut. Faut voir un peu. C'est l'impression. Donc voilà, vous avez vu de loin la terrasse. Et je vous fais voir la vue que vous avez sur la terrasse. Voilà. Une très 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 belle vue. Tu vois sur le vieux fort de Bizerte, il y a un vieux fort là-bas au fond à droite. Et il y a également un bar, un café plutôt, au fond du vieux fort en haut. Voilà. On ira peut-être y faire un tour si on a le temps. Donc voilà une petite salade tunisienne, c'est tunisienne, hein? Avec de la harissa, des olives. En apéro. Je suis en train de manger là, tranquille. Et il y a le repas qui arrive là, tranquillou. Ouais. Donc voilà mon assiette, spaghetti à la bolognaise tunisienne, comme les pâtes de ma maman, les pâtes de ma ville, de mon pays, de mon enfance, mon plat préféré.